Bienvenue madame, midi. L'événement d'aujourd'hui permet de réunir les aînés de la ville d'Achères. Il était au préalable prévu de les réunir pour les vœux, comme tous les ans. Cette année, du fait de la pandémie, il n'a pas été possible. Cette année et les années précédentes, il n'a pas été possible de se réunir. Alors vous êtes pratiquement 320 personnes ici. Après ces années de pandémie, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec les membres du conseil municipal du CCAS pour ce repas en signe de respect, d'amitié et de remerciement envers vous. C'est un événement convivial, on voit beaucoup de gens. Ça permet de rencontrer plein de gens, des gens qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années. Il est prévu durant le repas quelques animations, dont une prestation de nos amis les danseuses Daoutière et Nuit, une association purement acheroise, avec de jeunes acheroises qui mettent en avant la culture polynésienne. Dans les semaines à venir, il y a pas mal d'animations, puisqu'on a à la résidence Pompidou, il y a deux associations qui réunissent les anciens pour passer des après-midi, pour fêter des anniversaires et pour faire des repas régionaux. Et puis un peu plus tard dans l'année, au mois de mai, juin, juillet et peut-être septembre, il y a quatre voyages qui sont prévus pour nos anciens sur l'Europe et la France.